Harry. He most of the time knows his limits. He's mechanically efficient on how he plays. Origin are playing, they're playing around their AD carry a lot. And in H2K we don't. We just abandon me in a specific part of the map and we're like, good luck for Given surviving. But I think like the best player of Origin in my mind will always be amazing because I played with him and I played against him. I don't know his power as a player, but Nils is actually a pretty all-around good player. Welcome back to our coverage. C'est bien identifié, hein, effectivement. Donc Forgiven, toujours intéressant, je trouve, quand il parle, même si parfois il peut avoir des positions très tranchées. Le fait est qu'il a toujours ses raisons à lui et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est tout sauf un idiot. Je trouve qu'il parle jamais dans le vent, clairement. Ouais. Donc ouais, effectivement, Sven, qui est le joueur à abattre du côté des Origen, l'homme qui fait peur, c'est clair. Zab, H2K, donc 8-3, Origen 6-5. Le Juggernaut qui reste si bien Origen. Voilà, la Lulu qui est ban. Parce que Soaz qui joue bien Lulu, et derrière tu mets Sven sur un ADC. Comme Kog'Maw, ça fait la diff et il reste Alistar peut-être à ban pour les H2K. Après ça laisse énormément de choses open. Alors il y a GP aussi pour l'instant qui est disponible. Ça, c'est toujours engageant de laisser un GP open, je trouve. On doit amener la jouer déjà dans ce split, Soaz la jouer, donc si jamais il est laissé disponible, je pense qu'une des équipes s'en emparerait. Et donc c'est le coq qui est ban. Bon, ça c'est pas forcément étonnant, comme tu l'as dit, hein, Sven. Après ils auraient pu laisser Kog pick par exemple GP, mais bon, GP est open dans tous les cas. Ouais. Nida du côté d'Origen pour Amazing. Ouais, on va vouloir jouer agressif. Il l'a joué une fois, ça, Nida. 71% de win rate, hein, quand même, hein, sur Nida. Bah, comme quoi, hein, y a beaucoup de gens qui aiment pas le pick, mais. Bah, ouais, parce qu'on disait avec nous hier, à mon avis, t'es obligé d'accepter la puissance du pick. Hein. C'est vrai que ça tangue mieux, et puis l'écho runique a quand même relancé. En début de saison, c'était. Ouais. Tes spires, elles ont plus de punch, ouais. Au moins, elles font plus de dégâts. Donc, ton t'es poke pas obligé est plus fort. Ouais, t'es pas obligé de go in, en fait. Donc, ton poke est plus fort. Et quand tu go in, c'est juste du follow-up. Alors que le ring glaive était un peu moins adapté, je pense. Alors, Rodo a amené Yankos pour des picks. Alors, il y a tellement de choses ouvertes. Il y a Graves d'open. Ouais. Décide de prendre le Alistar, ne pas le laisser à Mitty. Ouais, ça, c'est compréhensible. Sachant que très chez Ban, Mitty, quelle est sa solution de repli en général? Bah, il a Brom. Il a Brom qu'il a joué deux fois. Poppy, ouais, et bon, Poppy, Janna et Trundle. C'est vrai qu'il a pas joué Thresh cette saison, Mitty. Non. Pourtant, c'est quand même Gangplank et le Corki. Alors là, 3 picks POC côté Origen. Ouais. Dont Gangplank. C'est risqué quand même de ce premier tour de draft côté H2K. Hein. C'est très 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 risqué parce que là, Origen, ils ont la draft pour, enfin, en tout cas, au niveau des éléments de POC, tu fais difficilement mieux. Est-ce que les H2K vont partir sur une grosse front lane? Faut d'amener, il joue quoi comme tank qui engage? Il joue beaucoup de choses, il a joué un Malphite une fois. Il peut jouer Malphite, il peut jouer. Enfin, il sait jouer tous les tanks, hein, d'amener. Tu regardes son pool de champion. Il peut essayer de jouer Poppy aussi qui est open. Pour flank plutôt Poppy par contre. Ouais. À moins qu'il joue Queen. Qu'il a joué une fois, mais le problème c'est que s'il joue Queen et qu'il a pas le GP en face de lui et qu'il est au mid, bah après ouais. Queen peut se faire counter dans certains matchs. Nautilus est très bien. Donc ils vont. D'accord, le Nautilus au top pour Odo amener effectivement de l'engage. Par contre, il va falloir follow-up. Que va prendre Ryu dans ces conditions? Un champion qui carry énormément. Je pense là ça va dépendre. Si jamais c'est pas tanky, il faut prendre Harry. Ouais. Ouais, sachant que c'est un de ses piques références. Sinon Lissandra pourrait être sympa, mais dans ce cas-là il faut vraiment pas se louper côté. Ouais, je pense que Harry fait plus mal que Lissandra. Ouais, mais ils ont déjà des contrôles. Elle est plus intéressante en teamfight au niveau des contrôles. Après avec un Forgiven qui farme bien, ça peut suffire, hein, pour un gros early mid game côté Showcase qui est ce qu'ils vont jouer. Hein. Clairement avec une draft comme ça. Arrêtez avec tout ce poke que je ne saurais voir. Bon, on remet son gangplank à Soaz. Le Tam pour Mitty. Je pense qu'il se doutait que Ryu aurait pu partir sur une Harry. Ouais, et le Kench en plus qui bloque les assassins. C'est une très bonne draft. Par contre, Origen, ils peuvent rencontrer le même problème que tout à l'heure avec les
avec les Lemans contre Giants. Cette incapacité à éventuellement stopper une engage adverse. Ouais. Ça, même s'il y a moins de chase qu'avec un Ramus. De toute façon, on n'aura pas de Ramus dans cette game, on a Nautilus. Ils peuvent pas vraiment stopper une engage, quoique... Alors, en fait, c'est Mitty. C'est Mitty, il va devoir juste dévorer le joueur qui est log par l'ulti Nautilus. Alors... Donc Ryu, pas de Harry, alors quoi? Lissandra pour le team fight. Ouais, c'est léger. Vont... Hein. Ouais, c'est... mais ils doivent... En fait... Ils ont pas de DPS. Ils ont du burst. Je suis moyennement d'accord, mais je pense que... Mais Lou, le DPS en mid-late, quoi, passer 25 minutes de jeu. Ah non, mais moi, je t'ai dit tout à l'heure que de toute façon, on pense pas au late game pour les Shtukage. Tu penses pas au late game contre une draft comme celle d'Origen. Tu penses vraiment qu'ils peuvent gagner en 25 minutes de jeu contre les Origen? Ouais, je pense. Ouais, c'est possible, après tu me diras. Et donc le blanc, Ryu, il se frotte les mains. Il sait qu'il a, il a fort à faire. Ouais, il a effectivement un gros match à disputer là, avec ça, le blanc. Pour toi, il est pour qui le match-up entre Harry et le blanc? Moi, j'ai tendance à le. Enfin, je trouve que Harry, en fait, met son DPS tellement facilement. Ouais, mais tout problème, en fait, c'est pour positionner le chat. Mais Ryu, c'est un joueur intelligent. Ça, Leblanc, honnêtement, elle a traversé les âges. Ouais. Donc, j'aurais tendance à mettre le match-up pour Ryu, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vois pour Fievel incapable de faire la différence. Ça reste qu'il est comme match-up quand même, hein, parce que pour Ryu, c'est une question d'approche. Et pour Power of Evil, c'est une question de skill shot. Ouais, c'est de savoir gérer le backdash, en fait. Hein. De toute façon, le match-up contre le blanc, c'est de savoir gérer voilà, le repositionnement. Donc les drafts qui sont effectués. Alors... c'est très agressif quand même, hein, côté H2K. Ah, H2K, de toute façon... On risque de jouer vers l'avant dès le début de la partie. Faut terminer la game immédiatement. Hein. Immédiatement, c'est vraiment la course aux armements. C'était Bali. Bali, la player manager en fait des Origen qui était là en remplacement de XPK. Ah oui, je l'ai vu dans leur épisode de Chasing Glory. Effectivement. Donc voilà, bon, me demande pas quel draft je préfère. Bon, alors. Corki. C'est marrant quand même qu'ils mettent une personne comme ça en coach. C'est-à-dire que tu sens quand même que c'est. Ah, mais t'as pas vu l'article? Bah, ça va sortir sur Ogaming, en fait. Il y a un article, j'ai demandé à un rédacteur de le relayer. Mm-hmm. En gros, il y a une déclaration qui a été faite d'Origen qui a dit que si Riot ne forçait pas la présence d'un coach... Ah oui, non, je l'ai vu, cette décla, ouais. Ça montre, enfin, c'est évident que le coach... Et il y a l'ancien coach, comment il s'appelait, le Duc, qui disait que c'était extrêmement dur de coacher, même s'il y avait des joueurs qui étaient plutôt enclins à travailler avec quelqu'un. De manière globale, les coachs n'avaient pas d'autorité chez Origen. Et donc, c'était une équipe vraiment autogérée. Comme quoi les choses sont dépendantes des structures et des personnes. Après, je suis pas sûr qu'à long terme ça marche, c'est parce qu'Origen à la base c'est vraiment une bande de potes qui jouent ensemble depuis quand même super super longtemps. Et on a une veille des H2K. Ryu qui arrive derrière, il se prend des auto-attaques. Ryu qui met la distorsion. L'arrivée de Amazing, on met un flash in. Ryu qui va devoir flash out. J'ai pas compris. Les Shuyei qui se retrouvent bloqués. Plus de flash. Regarde, Ryu. Ça peut être gênant quand même. Attends, ils vont aller chercher. La tour. Attends, et Dodo Amné a pris d'énormes dégâts aussi. Flash out. Ouh là 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 là. La Bérésina du côté des Shuyei. On perd énormément de summoner. Là, on perd tout quasiment. Il y a Lee Sin qui a son flash. Faryon son flash. Et bon, Vander qui a encore ses summoners. C'est très bizarre. Déjà, Ryu qui vient tester au contact les Origen. Alors que son équipe est prise en sandwich, je pense qu'il y avait un manque d'informations là. Et les Origen qui maintenant se baladent dans la jungle adverse. On va prendre toute l'info qu'on veut. Il y a beaucoup de wards qui ont été placés. Pour Fievel qui arrive un petit peu avant son vis-à-vis. Après, de toute façon, c'est sur la deuxième vague qu'on passe niveau 2, donc il n'y a pas de souci. Normalement, à moins qu'un sbire meure, ça devrait être bon. Et O2MN qui vient aider Yankos. Très bizarre ce début de partie qui a été offert par les Shukai là et des coups de tour. Bah alors là vraiment par contre pour Amazing il y a un boulevard. Quand tu sais que t'as deux flashs en moins, que t'as plus de heal sur Forgiven, même sur la lane là, il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes pour les Origen. Après Shukai pour l'instant on joue dans une configuration de swap lane initiée par les Origen d'ailleurs. Ouais. Donc à la limite leur summoner ne sont pas indispensables dans ces conditions.
Je pense que les Origen pensaient que les H2K et les swaps. Du coup, ils ont essayé de deny le swap lane. Et ils se sont retrouvés, eh ben, eux, initiateurs. C'est pile ou face, de toute façon, sur ce genre de phase de jeu. Et on est parti. On va mettre le proxy. Hop, la Valkyrie. C'est bien joué là. Ouais. Le clean des sbires. On met tous ensemble, on se coordonne bien. Ok, qui sont lancés également du côté du bot. Yankos, bon, pour la récupération du red buff. Ah, Yankos sur Lee Sin, ça me fait plaisir. Ouais, ouais, ça touche ça pour toi, Fibol. Sur Ryu qui dashin. La chaîne éthérique ne touchera pas. Prends petite avance. Et déjà le duel commence à se mettre en place. Attention tout de même à Amazing. Pour Ryu, il n'y a pas tant le droit à l'erreur que ça sans le flash. Et puis un peu moins outplay aussi, parce que ce qui est intéressant avec le flash sur la Leblanc contre une Ari, c'est que tu peux réussir à esquiver le charme. Ouais. Si tu arrives à bien anticiper comment ton agression va se placer et que tu vois un peu là où POE va positionner le charme, tu as moyen d'esquiver, ce qui n'est pas possible là. Donc s'il esquive, c'est sans grosse. C'est avec moins de possibilités d'adplay, tout simplement. Pour Ryu. C'est un juke. C'est un méga juke de la mort. Les dégâts de la marque font plus mal. Amazing, justement, il le sait, Amazing. Hein. Hop. Il y a une distorsion anticipée, Ryu joue super haut, loin de ses sbires. Oh, ça touche, Amazing, il va au bout ou pas? Pas de flash. Oh, il a pas mis la dernière auto-attaque. Je pense qu'avec le red buff, ça faisait le kill. Ah, dommage pour Amazing. Il a pas mis la dernière auto, et pourtant il avait de la vision, parce que le clone est parti, mais il l'a vu après quand même. Ouais, je pense qu'il aurait pu là. Et puis même la lance, il anticipe le passage à... Il anticipe peut-être le dash. Passage à gauche, non, au niveau des réductions cooldown, il peut pas redasher, il a pas de flash, donc il peut juste passer à droite ou à gauche de la tour. Et il a anticipé, en fait, il aurait dû attendre de voir le déplacement du joueur le long de sa tour et essayer de. S'il passait à droite, c'était quasiment sûr d'être touché, s'il passait à gauche, et bien c'était plus compliqué. Mais là, il est. Dommage quand même pour Amazing, je pense qu'il y avait vraiment moyen de prendre le kill là-dessus. Bon, ouais. Ryu arrive à s'en tirer. Et pour Fivol qui prend les commandes au niveau du farm sur cette mid lane, les 16 avancent pour l'instant, Forgiven, Vendeur, au push, au dos amené, qui rejoint ses deux compères, et au bot on fait exactement la même chose hein, du côté des la Origen. Ah bah là il n'y a même plus de ressources à prendre dans la jungle. Enfin si, pour Yanko, si y en a, mais il était côté blue side. Je sais pas si les équipes vont lancer un call objectif neutre, soit le dragon ou le héros de la faille. Ouais, ou alors si on voit de plus en plus hein, les équipes qui, après avoir récupéré donc leur 2-1, décident de prendre un peu plus. Toujours, dans chaque saison, t'as une forme d'évolution du swap lane. Ouais. T'as la forme de base, puis après tu vois des variantes et une progression, et ils y vont sur le héros de la faille là, les H2K. Mais une réponse. Origen ne fait pas le même choix. Que j'ai toujours pas eu de la part des différents coachs et joueurs, c'est pourquoi le swap lane de cette année, on veut deny le solo laner et pas le. Enfin, avant on mettait jungler en fait en freeman push et on laissait le solo laner tout seul. Bah parce qu'on s'est rendu compte que je pense que c'est trop risqué d'avoir le solo laner sur, ouais, probablement, mais... sur la lane bot. Enfin, il y a trop de possibilités de dive, surtout avec les drafts maintenant. Bon, il y a moins de Thunderlord. Ouais. Donc, c'est un peu moins vrai actuellement, mais quand même, t'as quand même des pics en général qui sont assez efficaces en early game, donc c'est trop risqué. Il y avait trop de situations l'année passée où des équipes essayaient d'aller défendre et t'étais là, tu regardais, tu dis, bon, ok, est-ce que c'est fort ce champion en 1v3 ou en 1v2, tu sais, la situation normalement qui doit pas avoir lieu, parce que du 1v3, n'importe quel pic est moyen en fait. Je pense aussi que c'est vachement lié au nerf du TP, le fait que les soliners en fait ils se font tuer. En fait, avant, il y avait le duo jungle et tu TP. Oui, c'est l'ensemble. Et en fait, tu récupérais plus ou moins ton TP sur le moment du premier gank du jungler. Mais là, le jungler a le temps de te ganker avant que ton TP revienne. Et si jamais tu meurs en te faisant tower dive par jungler et le solo laner adverse, ou par la duo lane plus le jungler, tu peux pas revenir et là, tu te fais deny complètement. Donc je pense que c'est aussi pour minimiser les risques par rapport au nerf du TP. C'est un ensemble de choses. Puis bon, de toute façon, la méta a bougé. Hein. Ça laisse place un peu à l'aléa quand tu vas défendre ta tour en 1v2, parce que le 1v3 ou le 1v4 ne sont jamais forcément très loin. Et H2K qui push maintenant au niveau de cette bot lane. PO, l'agression, un autre dash, le charme qui est loupé, Ryu backdash ou pas? Il a pas son niveau 6 Ryu. Non. Donc il peut pas. Il peut pas choisir l'agression. Puis sans Ignite également, c'était compliqué. C'est le niveau 6 est passé, encore du push. Massif de la part des deux équipes. On va chercher la T2. De chaque côté. Ouais, les H2K qui veulent prendre. Alors par contre, ça c'est avantageux pour les H2K parce que ça les rapproche rapidement de l'inhibiteur. Hein. Ils vont y aller, d'ailleurs la Rick et va puis ils ont le héros de la faille à la différence des Origen. Ça va vite. Et il y a ce petit avantage qui est loin d'être négligeable dans ce genre de push.
qui fait le décalage. Bon, Ishtukai, il récupérera pas cette T3. Non. Et par contre, ça pousse, hein. Encore une fois à la top lane pour Affival, qui n'a pas hésité à se déplacer, hein, sur cette bot lane. Pendant qu'on a Sven et Mitty, la duo lane des Origins qui est toujours très haute. Après, Odo Amné, voilà. Là, Odo Amné va récupérer du farm sur cette vague là qui était accumulée par les Origins. Il va revenir à hauteur du gangplank de Soaz. Sur la mid lane, bon, forcément, pour Affival qui revient. Et maintenant, c'est au jungler de faire la différence. On est rapidement allé du côté T3 quand même, Zab, dans cette game. C'est plutôt bien pour les Ishtukai s'ils veulent finir tôt, au moins. Oui, complètement. Libérer le plus de temps possible, avantage sans doute Ishtukai. Pour Affival qui est vu là. Ah, il n'a pas vu la ward. Si, c'est bon. Si, ils l'ont vu. Ils se mettent tous ensemble. A3 pour la démolir. Ouais, c'est tout à fait rapidement. Pink ward. Ah, il y a le paquet sur Sven. Est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose côté Origins? Sachant que normalement, avec leur draft, ils sont pas obligés de prendre des initiatives. Honnêtement. Gangplank, Kari, Corki, Time Kench peuvent se balader et attendre et stall la game indéfiniment. On l'a vu, les Origins sont plus à l'aise en late game actuellement. Et après, il y a justement le paquet lancé. Sven, ça va être récupéré par Amazing sur Vander. Il est que niveau 4, Vander. Il est pas très tanky. Il est arrivé de en flanking. Il a pas flash, on doit amener. Et pourtant, vu que les Origins étaient très paquets dans ce couloir, je pense que son ulti mis sur la bonne personne pouvait toucher les trois joueurs. Ouais. Ça aurait pu être une possibilité côté Ishtukai, on a essayé de la jouer un peu plus safe. Attention tout de même, une autre possibilité de pick-up. Mitty Amazing qui récupère la pink war là-dessus. Ça rend beaucoup. Et Origins étonnamment est très agressif dans cette phase de jeu. Mais c'est toujours pareil. La meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. C'est ça. Si tu arrives à faire reculer un peu ses adversaires, à les empêcher de jouer, Ryu qui tente la chaîne, tu gagnes du temps, quoi qu'il arrive. Ouais, bah forcément, les adversaires sont obligés de poser des wards pour pas se faire invade. Donc ils perdent du temps, ils peuvent pas jouer très agressif. Jouer parfaitement défensif sur LoL, c'est pas forcément non plus un très bon choix, à moins que t'aies énormément de wave clear et que tu puisses jouer sous ta tour. Après, tu laisses beaucoup de choix des adversaires. Oh, ça touche là pour Ryu. Non, finalement, il va backdash. Il a eu peur, hein, de power Affival. Et Yankos qui vient. On refait une accumulation côté Ishtukai. Mais on veut vraiment abattre toutes les tours extérieures. Là, il n'y a pas de compromis. Le problème, c'est qu'il y a Sven, il y a Mitty, il y a du monde. Et regarde, justement, ils sont un petit peu enfermés. Vander, oh, c'est pas mal, c'est du petit GP, ça oblige Vander à être en difficulté. Là, il a un flash quand même, il va rejoindre ses coéquipiers ou pas. Oh, il tente le play, mais Power of Fuel s'est repositionné. Amazing prend d'énormes dégâts sous fatigue. C'est le first blood pour les Ishtukai. On doit amener qui va peut-être relanguer. Et oui, c'est sur Mitty. Mitty qui se fait attraper. Derrière, est-ce qu'ils vont y aller? Les Ishtukai. On a Soaz qui est loin. Il est vu. Soaz qui se fait attraper. Les chaînes éthérées sur le soloiner des Origins. Derrière, c'est Yanko. Soaz qui flashy. Mais c'est Forgiven qui prendra le kill. Et là, ce sont les Ishtukai qui prennent les devants. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est exactement ce genre de choses qu'il faut anticiper quand les Ishtukai. Tel est le prix qu'ils croyaient prendre, hein, les Origins qui ont fermé les taux, mais qui n'ont pas réussi à sécuriser un kill rapidement. Et derrière, le TP de Odo Amné qui a fait la différence. On se regroupe sur cette mid lane, il va falloir wave clear pour les Origins. Ça va aller très très vite. Et regarde une fois, c'est Odo Amné qui vient chercher Mitty. Le burst est bon, la double attaque derrière. Oh, Mitty, la peau dure pile Mitty, au bon moment là. Pour bait un peu, Amazing est en danger, c'est le kill en faveur de Yankos. 3-0 pour CH2K, Zab. Ouais, et 2 kills pour Yankos. Et c'est bien parce qu'il force un peu le jeu dans cette game, Ishtukai. Après, Origins défense à T1 mid. Ils ont qu'un Kaggle de retard, Origins. Ouais, c'est loin d'être catastrophique finalement. Puis les kills, mais Ishtukai prend l'initiative. Je pense que c'est ce qu'on voulait voir quand même de leur part. Les hooks de Odamné sont vraiment importants. Soaz qui vient là un petit peu taquiner Forgiven. On va revoir cette action, l'action précédente, hein, pas celle qui vient juste d'arriver. L'ulti, et là on se dit, ah, les Ishtukai sont pas bien, mais la lance touche pas. Vander, il bait extrêmement bien sur POE en fait, parce que la POE claque dashi, il se fait complètement bait contre le mur. Odo Amné qui récupère, Amazing se fait burst, et derrière c'est très 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 compliqué. Voilà, Mitty en plus qui se fait grab, et on avait Soaz qui a essayé de venir backshot, mais à ce moment-là de la partie, c'était pas une idée optimale, et derrière, eh bien il tombe. Naturellement, lumière perforante de Forgiven, c'est un kill. Le seul qui n'a pas été pris par Shook jusqu'alors. Voilà, Shook qui est à 2-0-1 et Forgiven qui est à 1-0-2. Ishtukai qui enchaîne bien là. Il se repositionne au niveau de cette mid lane. Le dragon également qui est contrôlé par cette équipe. Il faut aller chercher le dragon, notamment ce deuxième. Je pense que c'est important si on veut progresser rapidement dans une game. Tout mettre dans le contrôle du Dragon Slayer, enfin du dragon, n'est pas forcément obligatoire. Le petit pick-up sur Mitty de la part.
d'H2K. C'est pas forcément obligatoire. Par contre, le deuxième dragon, pour moi, c'est super important, Zab. Ouais, le deuxième dragon, pas parce pour, que hein. Tu progresses sur les tours. Et c'est ce que veulent faire les H2K. Hein. Les H2K, ils veulent ouvrir la mid lane. Ils ont quasiment. Il faut qu'ils aillent le prendre, ce premier dragon, du coup. Ouais. Ça, ça leur donnerait un deuxième dragon aux alentours des 20 minutes de jeu. Ce qui donne un timing correct pour vraiment push et essayer derrière d'enchaîner sur un baron Nashor, forcément. Ils ont du temps, hein. Ils ont du temps, les H2K. En fait, tu te rends compte que le stuff de Swaz, il est très late. 70 creep à 13 minutes de jeu. Le Swap Lane a eu son petit effet au Power of Evil qui va essayer. Mais non, ce sera pas récupéré. Par contre, Vendor a pris très très cher. Mais donc, ouais, il est très très loin là d'avoir ne serait-ce que sa Trinité. Il va l'avoir sur les 15 minutes. Je pense. C'est quoi? C'est 75-80 creep la Trinité généralement. Donc derrière, l'IE, elle est loin d'arriver. Swaz, il va pas être vraiment vraiment frais avant un moment. Et avec Jankos qui a pris ses 3 kills, les H2K peuvent emballer la partie et prendre des dragons sans se précipiter. Et pour l'instant, donc, on est plutôt dans les temps, à mon avis, pour H2K, avec ce fameux deuxième dragon aux alentours, un peu avant les 20 minutes de jeu. Je pense que... Pour l'instant, leur plan est bon. Par contre, attention. Le reset de ce héros de la faille. Ouais. Odo Amné qui est venu prendre l'information là pour son équipe. Et Origène, quant à eux, eh bien, c'est toujours cette montée en puissance. Et on a mis et c'est les items qu'il faut regarder hein, côté Origène pour savoir où on en est dans la game finalement. Parce que c'est leur but, arriver à, bon, je dirais, à ces deux items par joueur qui commenceraient vraiment à peser. Ça y est, on a la Trinité sur le GP. Au niveau de Sven, à 123-16. À mon avis, on en est plus très loin également. Ouais, s'il y a 86 avec Gangplank, on en est. Il y a des chances que, même si on a des bottes de sorcier, je pense qu'on doit y aller. Ouais, c'est les bottes de sorcier, c'est sûr qu'ils coûtent un peu cher et qu'ils retardent la Trinité, ouais. Mais en même temps, c'est un build qui se justifie encore une fois. Et PoE qui est en free farm là sur la bot lane. Ce serait bien en fait, au moment où PoE atteint son niveau 11, de lancer quelque chose, parce que regarde, Ryu, il est que niveau 9. Donc ça veut dire que tu vas avoir un ulti niveau 2 contre un ulti niveau 1. Et ça, en termes de power spike, c'est absolument énorme. C'est vraiment le genre de choses qui peuvent faire la différence. Et H2K pour l'instant, qui attend son heure. Odo Amné qui repart du côté du top. Bon, les TP sont disponibles pour l'instant. Donc, si jamais les deux équipes veulent partir dans une phase d'escarmouche, normalement, on peut rapidement se retrouver avec du 5v5. Sven au siège, hein, finalement, sur cette mid lane, après avoir nettoyé les tours extérieures. On se positionne logiquement au mid, surtout pour un Corki qui a un énorme pouvoir de poke. Ça peut parfois libérer des objectifs ou des actions, hein. Juste harasse au maximum l'équipe adverse, récupérer du farm. Et finalement, PoE, lui, qui part au split push, ouais, il a l'air assez confiant face à Leblanc de Ryu, mais c'est vrai qu'il joue bien depuis tout à l'heure son match-up. Ouais, il y va, deuxième dash, backdash le TP. Ou pas? Non, Ryu, pas de backdash. Si, backdash finalement. Backdash, l'ulti de Gangplank pour protéger. Bon, il y a une phase de contrôle là, ça fait le jeu des origines. Hein. Par contre, Jankos, lui, il a pas du tout envie d'attendre. Allez, ça kick, flash in, le kick. Qu'il n'y a plus d'ulti. Et il n'y a pas de flash non plus sur PO. Donc, normalement, c'était un kill. Ah, dommage, sécurisé. Très bon gant de la part de H2K sur une prise d'initiative de Power of Evil. Il est puni, le mid laner allemand de ses origines. Allez, il était très, 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 très loin de sa base. Hein. Honnêtement, à un moment donné, même avec du warding, tu te fais attraper. Amazing qui est en train d'enlever des wards. On est en train de protéger un petit peu. On a vu que c'est arrivé à la botlane. On veut pas que Soaz meure. Le problème, c'est que les H2K, pour l'instant, c'est pas leur objectif. Ils vont prendre cette terre à la mid lane, il n'y a personne pour défendre. Il n'y a plus de wave clear, il n'y a plus de Harry, il n'y a plus d'ulti de Gangplank. C'est gratuit. Et c'est 5 kills à 0 pour l'instant pour les H2K. La quatrième tour qui vient d'être débloquée. Ah, ils sont bien pour la préparation de leur dragon. Là, dans 2 minutes 30, ils seront parfaitement positionnés sur la map. Après, il reste à bien le préparer au niveau de la vision. Mais en même temps, Origène n'a pas du tout de ward à ce niveau-là. Et regarde la ceinture de ward Zab dans la jungle bot side là. Origène, certes, ils se maintiennent sur les lanes, mais dès qu'il s'agit d'entrer dans la jungle, honnêtement, ils y vont un peu à l'aveugle. Bah, c'est ce qui se passe. C'est un problème. C'est ce qui est arrivé à Power of Evil tout à l'heure. Hein. Il s'est fait complètement dépasser. Bah, il a décidé d'agresser sans avoir de vision. Et ça c'est mauvais hein, pour les Origène. Parce que très souvent, ça se finit mal. Ouais. Ouais, voilà, tu te fais forcément à un moment backshot. Après, il y a deux cagoles, on est à 17 minutes de jeu. On n'est pas sur une avance monumentale. Les H2K qui ont un momentum qui est léger dans cette partie. Là, il faut surveiller surtout ce deuxième prochain, dragon. Voilà. Le dragon, le héros de la faille, éventuellement, s'il est récupéré, qui pourrait leur donner un pic de puissance en termes de push assez hallucinant. Ça, c'est wardé. Regarde, le héros de la faille, il est sécurisé.
avec ce carapateur. Jankos et Vander qui part dans la jungle adverse. Il joue topside de la map à 1 minute 30 du retour du dragon. Bon, ça leur laisse le temps quand même de revenir au niveau de cet objectif. Bon, ouais. J'ai l'impression qu'ils sont allés poser de la vision de nouveau. Quelle présence en termes de warding du côté des Shukei. Et Soas, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va lâcher un ultimate sur la botlane? Ah, Origen, c'est un gros push là, du côté du bot. Ouais. Finalement, à force de voir les Shukei non présents botside de la map, on push, on poke. C'est et bien. Cette tour qui est pas loin de tomber là, c'est pas mal ce qu'ils ont fait avec la Morigène, ils ont pris beaucoup de PV. Ouais, ils ont respecté Jankos qui est parti sur son Iron Solari. On part un petit peu tanky utilitaire pour le jungler des H2K, ils viennent sur la mid lane en train de push. Par contre, il y a une énorme vague de farm là qui s'est écrasée sur la T2 bot lane, enfin top lane pardon, et personne ne l'a récupéré du côté des Origen, c'est dommage, c'est des ressources en moins. Après, je pense que Soaz a pas vraiment envie d'utiliser son TP pour aller juste récupérer du farm, même si là. Ça devient urgent, regarde, tu vois tous ces creeps qui sont en train de disparaître et qui vont être finalement sécurisés par Power of Evil. Et cette game qui se tasse un petit peu chip, alors Given qui vient chercher Sven et une Valkyrie. On se repositionne pour le carry ADD Origen. Il n'y a qu'une ping quad côté H2K pour aller préparer ce dragon. Et le Baron Nashor qui arrive également dans une minute. Est-ce qu'il lance encore l'héros de la faille? Ouais, c'est parti. Ouais. Seconde du retour dragon, ma foi, c'est correct côté H2K. Ouais, les H2K qui vont pouvoir moins. En fait, ça va leur permettre de remonter l'île rapidement pour ensuite se projeter sur le dragon pour essayer de récupérer le deuxième dragon. Et si jamais ils arrivent à récupérer le deuxième dragon assez rapidement, il leur restera un petit bout de héros de la faille pour aller essayer de sécuriser une tour. Par contre, Ryu il s'est montré là du côté du top, mais H2K, bah, comme tu l'as dit, Zab, c'est parti là au niveau 7 mid lane. Voilà, et là ils peuvent faire soit une rotation T2 top avec le héros de la faille, soit partir au dragon. Quand même. Enfin, le dragon. Ah, ils y vont, mais ils sont scouts. Ils sont scouts, les H2K. Pas sûr que ce soit le meilleur choix pour eux. Mais ils sont en train de loquer complètement leurs adversaires dans une partie de la carte. Et après, ils vont pouvoir décider s'ils veulent. Ils peuvent peut-être sécuriser un kill. Ils ont le warding. Et Ryu qui est parti sur Abyssal. Bayat trop gros, ça va faire Abyssal Luden. Hein. On a envie de faire mal, on le sait. Voilà, Ryu qui va directement sur Power of Evil. Et là, T2 avec le héros de la faille, on zone. Les gars du GP. Bon. Oh, c'est compliqué, les sbires qui vont tomber là-dessus. Ils n'arriveront pas à passer les H2K. Soaz avec son GP qui deny ses adversaires. Et le problème, c'est que les H2K a tellement insisté sur ce topside de la map qu'au niveau du mid et du bot, là, ils sont en danger quand même. Zap, ça push. La T2 récupérée au bot. Ouais, mais il y a un la T1 récupérée au mid. Ah, quoique, il n'aura peut-être pas le temps. Bah, si, je pense quand même avec les progs brillants. Non, il va pas essayer. Il Sven, va pas essayer. Il n'insiste pas. Ah, il peut faire le dragon par contre maintenant peut-être Origen. Origen peut faire le dragon. Non, même pas. Ça ne fait pas partie de leur choix pour l'instant. Par contre il est ping par les H2K donc ils vont y aller. Ah, les H2K ils ont besoin de ça, on l'a vu. Bah, je pense que ça aurait été mieux quand même s'ils l'avaient pris. Enfin ils ont vraiment lâché toute une partie de la map, ça m'a un peu étonné. En même temps ça peut valoir le coup si tu arrives vraiment à forcer l'objectif ce qu'ils ont fait. Mais en même temps ça a été contré au bot par Soaz qui a pris pas mal de gold et d'XP en solo également. Donc est-ce que c'était rentable? Il a mis 50 creeps comme décision. Odo amené. Je suis pas sûr que c'était un push rentable pour H2K sincèrement. J'aurais préféré quelque chose de plus diffus avec la soit dragon. Soit, en fait il aurait fallu push sur la mid lane. Dragon et derrière repush. Regroupe et après t'allais. Et t'assurer que le wave clear bot et puis push mid peut-être. Ouais ça aurait été peut-être la meilleure option pour eux. Ils ont beaucoup forcé le top. Bon, ils récupèrent la T2. En même temps on l'a dit. Même si GP monte en puissance, c'est important pour H2K d'aller rapidement prendre des tours. Bah, le truc, c'est que, regarde, c'est là où moi, je comprends pas trop la compo H2K. On est à 20 minutes de jeu. Si on regarde les itemisations, le Nautilus, il n'a pas fait un stuff full push. Il push bien, il wave clear. On peut pas dire qu'il ait pris un Zrot plus bannière de commandement pour essayer de split. Il n'a pas fait comme Gamzu. Ouais. Comment ça s'appelle Lee Sin qui a pris donc qui a son enchantement, Jankos. Derrière, c'est vrai qu'on a un stuff qui est fait pour Burst, pour Ryu. Et Forgiven, il a un stuff qui est classique, ouais, mais qui ne permet pas de One Burst. À ce moment de la partie, ils savent qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils ont à peu près 10 minutes pour terminer cette partie. En face, on a déjà une Trinité et on va avoir la Lame d'Infini. Donc on va avoir deux items sur Soaz et on a accepté avec cette draft de se retrouver dans une situation parce qu'on sait quand même que les phases de défense, il y a beaucoup de wave clear du côté des Origen. Tu vois, on accepte quand même
de laisser 50 creep au gangplank de Soaz, qui est un des meilleurs gangplanks européens. Donc moi je suis inquiet, ça veut pas dire qu'ils vont pas gagner cette game, c'est pas impossible, mais... Ouais, sur cette phase de jeu, je pense que ça aurait pu être négocié autrement aussi. Ils prennent du et retard. Et ça fait les affaires de Soaz, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors maintenant la question c'est... Comment ça va se passer pour la suite de la game? Et Shuke, il faut qu'ils arrivent à trouver des fights quand même. Je pense que leur équipe peut vraiment, vraiment par contre démolir celle d'Origène pendant cette phase de jeu. Et Origène, bien toujours le POC. La prudence, le POC, la prudence. Et on revoit. Ah non, on revoit l'action. Ah, ah oui, bah c'est le moment où il se fait attraper, regarde. Il y avait pas... Ils en ont profité, ils ont posé toutes les wards à ce moment-là en plus, je crois, ou en revenant les Shuke. Mais alors, ouais, effectivement. Aller à cet endroit-là sans ward. Bon, ne faites pas ça dans vos solo queue. C'est... Après, le problème, c'est quand t'es assassin, tu penses souvent à ton kill. Ouais. Enfin, là, PO était dans une optique d'assassin, vraiment. Tu penses souvent à ton kill et tu tunnel vision. Parfois, tu oublies qu'autour, eh bien, tu peux être mis en danger. En tout cas, c'est une game qui est risquée, je trouve, pour les H2K. Vraiment. C'est pas la première fois qu'ils prennent une draft plus early mid que leurs adversaires et qu'ils... Il avait gagné, c'était contre les Fnatic, je crois. Ouais, je crois que c'était Fnatic, ça. Ouais. Ils avaient joué une draft hyper POC. Et finalement H2K, il l'avait emporté. Ouais. Ils savent quand même forcer les objectifs, hein, les H2K. Non, bien sûr. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de POC, il y a beaucoup de wave clear et il y a beaucoup de mobilité. Donc, à moins vraiment d'avoir hard engage, c'est jamais vraiment facile, en fait. Et on le voit, hein, on le voit là, les H2K, ils sont un peu bloqués. Parce que sans un héros de la faille, sans un baron, ils n'ont pas encore le deuxième dragon à 20 minutes de jeu. Donc c'est pas évident en fait, hein, d'aller vraiment sécuriser les objectifs comme ça sans les buffs neutres. Ah, c'est vachement intéressant ça, la statistique. Sur les wards placés, ouais, pendant Team Vitality H2K, plus de 500 wards dans le match d'hier. Ouais, bah forcément, c'est énorme, 62 minutes, ouais, c'est énorme. Hein. 500 wards. C'est énorme. C'était contre, tu dis, contre Fnatic, c'est ça? Non. La draft H2K, ouais, la première contre Fnatic. Ils ont perdu, hein. Ah là, attends. Ils n'ont pas rejoué contre Fnatic. Attends, aussi. Non, c'était contre Origène. C'était contre Origène, justement. Ou les Origène, ouais. Donc. T'es pas sur la fiche du match. Ouais, je suis pas sur la fiche du match. C'est. Le premier. Celui-là. H2K vs Origène. Et tu regardes dans la draft, pareil, côté H2K, plutôt une draft early mid game quand même. Lissandra, Lee Sin, Leblanc, Corki. Très axé des dommages magiques. Ouais, aussi. Mais il n'y a pas de wave clear à la mid lane avec le Kassadin. Ouais, bon, t'avais Ryze. T'avais Ryze, mais t'as pas de wave clear. Et Ryze, c'est un perso qui. Ah, mais c'était une configuration un peu différente. Ouais. Hein. C'est juste que H2K, normalement, c'est pas l'équipe qui préfère jouer l'early mid game. C'est souvent eux qui prennent le plus de POC pour jouer les objectifs. Donc, moi, je dis juste que. C'est pas leur configuration préférée, là, au niveau de la draft. Ils savent quand même gagner des games comme ça, mais c'est pas ce qu'ils ont le plus travaillé, je trouve, en partie compétitive. Donc moi, j'attends de voir s'ils arrivent justement à emballer la game face aux Origène. Hop, on essaye d'attraper Ryu, qui sera bien mobile. Justement, avec son écho. Et Sven qui joue très haut là, qui essaie de mettre un peu de poke. Pendant ce temps, on a Odo Amné qui est bien fort de son point givrant et de sa cape solaire. Emmène les sbires sur la T3. Et Power Evil qui est toujours dans une situation équivalente. Hein. Il attend patiemment, il récupère du farm. Et quand il va y avoir le deuxième item sur Gangplank, je pense que les Origène ils vont commencer à contester les objectifs des H2K. Et ça risque de faire mal à sa touche sur Mitty. Oh Mitty, ça reste le time catch. Ouais. Ça reste le time catch, c'est fait pour ça. Ouais. C'est vraiment fait pour ça, c'est le stack de frappe. Il y a un flash out quand même de. Un flash loot. Le flash loot de Nono. Ouais, la suite de Mitty. Et on a vu que le flash ça peut être très utile hein, sur un Kench, notamment Casing, qui l'a démontré sur des phases où il était extrêmement opportuniste. Ouais, les UL avaient réussi à engage, notamment via Vizi Chachi, et c'est vrai que le flash dévoration a plutôt été utile quand même contre ces UL. Ouais, Shuke, ils essaient de créer des situations de pic, c'est quand même compliqué. Ça y est, ça se regroupe. Si Origène fait pas n'importe quoi. Deuxième item, regarde, le deuxième item de Gangplank vient d'être sécurisé et c'est la première fois quasiment de la partie que tu vois les Origène qui commencent à squatter la mid lane. 7-1, ils la veulent. Ah là, ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que sinon, ils peuvent pas aller vraiment défendre ni les dragons, ni les barons. Les H2K ont deux dragons, donc ils ont les brûlures.
Donc il faut quand même voilà, il faut commencer à prendre de l'objectif. Et Odo Amné est parti en split. Ryu, on cherche une opportunité là peut-être de faire la différence. C'est vrai que ça aurait été. Ça aurait pu être intéressant que Odo Amné parte sur, sur une utilisation plus split push. Mais en même temps là, avec ses items, il est très efficace en fight, je dirais. Oh PO, ça touche pour Yonkos. Ça touche pour Yonkos, regardez qui est là, c'est Odo Amné, le lock sur Mitty. Et peut-être la bonne option sur le Tam. Oh non, c'est le kill de Yonkos, il le tue ou pas? Super compliqué à tuer quand même. Hein. Ils arrivent à prendre le kill tout de même. Ils sont un peu engagés derrière. Ouais. Attention au poke de la part de Amazing. Vendeur, l'ulti qui lui permet de temporiser. Qu'est-ce que c'est dur à tuer un Tam Kench. Le poke de la part de Soaz. Yonkos qui résiste. Mais là, tu vois, sur cette phase de jeu, au final, bah, il donne tout, il tue un Kench. Il y a 2K gold d'écart. Ils prennent pas de tour. Hein. Ils prennent pas de tour. Ils vont peut-être essayer là. Ah oui, mais il y a du wave clear. Hein. Il y a les tonneaux. Voilà, on poke. Attends, ça a l'air de passer, ça a l'air de passer. Soaz. Ils ont tenté quelque chose. Je sais pas si c'était la solution la plus safe. Ils la prennent. Ouais, même Power Fivol, il aurait mieux fait de wave clear plutôt que d'essayer de tenter un bisou. Je pense aussi, ouais. Parce que là, il joue l'opportuniste, il veut récupérer du kill alors que toute l'optique de la compo Origène, c'est de tempo. Là, il a pris un mauvais choix, je pense, le mid laner des Origène. Ça leur coûte une T2. Ils sont encore loin de leur objectif. Et là, Sven, ça peut être compliqué. Regardez Ryuk, c'est juste dans la mêlée qui prend le kill sur Sven. Soit engagé également les Shtukens qui mettent d'énormes dégâts à la population de la part de Vendeur dans la mêlée. Tam Kench toujours en protection pour Vendeur, le flank. Inespéré ce flank de la part de PoE. Ouais. Ça a permis de récupérer un kill. Bon, sur Vendeur, c'est quand même pas non plus la panacée. 3 morts côté Origène sur cet engagé Shtukens. Ça, c'est ce qu'ils veulent les Shtukens. Hein. C'est parfait ce genre de phase de jeu. Par contre, ils sont plusieurs à être très low life. Ouais, ils sont tous très low life. Là, le langage était très très bon par contre de Odo Amné. Et on a vu hein, que Soaz a encore un tout petit peu de mal à clear les joueurs adverses sur ses barils. Pourtant, il en a mis des très très bons. Donc, c'est vraiment une très très bonne phase pour les Origènes qui fait suite notamment eh bien, à cette défense ratée sur la T2. Et il va falloir être quand même vigilant parce que on le disait, il y avait 1K gold d'écart. Et là, il y a quasiment 5K chips. Bon, Fivol qui est en train de faire son blue buff, il en a besoin, il a besoin de mana et l'engage qui arrive sur Soaz, il peut rien faire. Non, il peut pas être là à ce moment-là, Soaz, c'est quand même hyper dommage pour l'origine, ça fait le jeu des H2K qui vont peut-être lancer un Col Nashor. Tu peux avoir la compo que tu veux. Ça manque de vision voilà. Côté origine. Tu peux avoir la compo que tu veux, si jamais tu te fais engage et que tu meurs à 26 minutes de jeu au milieu de ta mid lane sans vision. Tu as de grandes chances de perdre la game. Ouais, tu connais la sanction. H2K pour l'instant en position du niveau de ce baron Nashor. Oh, l'engage sur Amazing. Ah oui, bon. Alors forcément, l'homme qui est au bout de l'encre du Nautilus, ouais, il peut dire au revoir à la vie. Hein. Mitty tempo. Pour un pivot qui va dasher. Ils sont low HP, les joueurs H2K. Et là, tu te dis, ah, si seulement Soaz était là. Heureusement, il y a Mitty avec son Kench. Hein. Ouais. Parce que là encore une fois, les Shukai qui ont mis tout le burst. Alors, c'est pour qui les encouragements? Origène. Ouais, j'entends les Shukai aussi, j'ai l'impression que c'est mix. Alors, on est là sur Sven. Et là, Ryu, honnêtement, il y va. C'est bien ce qu'il fait, cette chaîne. Ouais. Il est propre. Dans la mêlée, hein. Ça a toujours été un bon joueur de Leblanc, Ryu. Ouais, c'est un bon joueur tout court. Oh là, Amazing. Oh là là là, ce fight bien négocié par H2K est très bon engage. Et pour Fivol, il a pas eu le temps de finir son bleu. Du coup, il a pas pu arriver avec suffisamment de mana pour enchaîner derrière. C'est quand même dommage. Les Origènes qui vont sécuriser ce premier dragon. Honnêtement, c'est assez gratuit, il faut le prendre. Et Soaz, qui est loin encore hein, de son troisième item, 200 creep. Il a pas des stats de ouf quand même, Soaz là. Non. Et déjà, sur sa première game avec GP. Il est plus aussi. Il était à 3 de KDA sur sa première game avec GP. Il m'impressionne plus autant qu'il avait pu le faire pendant la finale du Summer Split européen de l'année passée. Après, est-ce qu'il a moins de sensations sur le personnage? Est-ce que la perte de puissance du personnage, qui reste super bon quand même. T'as l'ajout de cooldown, non? Ouais, bah c'est sûr qu'il a été nerf. C'est moins puissant qu'avant. Oh, Power Fivol se fait attraper derrière le burn, c'est terminé pour Power Fivol. D'où est-ce qu'il sort Yonkos? Yonkos, il n'y a pas de warding du côté des Origènes. Il n'y en a pas. Tu regardes la jungle bot, elle est pas du tout wardée. La jungle top, elle n'est pas wardée. Il y a un problème de prise de vision. Et donc derrière, les H2K, ils se régalent. C'est pas normal
qu'à 28 minutes de jeu, Jankos puisse venir backshot comme ça avec un kick power of evil. Tu perds ton mid laner. Bon, ça va, ils ont Soaz. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué après de défendre les barons. Et là, il faut mettre un ulti. Il faut mettre un ulti de Soaz. C'est pas vu. L'arrivée des joueurs. Sur le côté, regarde Taryu. Ryu qui veut déranger Soaz. Ils mettent toujours pas l'ulti. Regarde Ryu. Le baron est mid life. Ryu en flanc. Ryu qui veut chercher une opportunité. Origen est très paqué. Par contre, c'est pas. Sans doute pas la bonne option de jump in pour Ryu. Ah, c'est sur Soaz. Il le force, mais attends, mais c'est Ryu qui met les dégâts. La Forgiven qui sort du fight. Je sais pas si cette gestion est bonne pour H2K. C'est même extrêmement risqué. Les Origen qui profitent de l'erreur d'H2K. Qui prennent un kill. Puis un deuxième. C'est très bien. Et un troisième en fait. Ouais, le problème c'est que si tu fais sortir la DC, tu fais plus de dégâts sur le baron. Mais oui, Ryu qui est rentré dedans, c'est à Ryu de flanc. C'est pas Forgiven de sortir, je comprends pas le manque de communication là côté H2K. Ryu qui essaie de faire une Fabiven. Ça suffira pas, Mitty la peau dure, il y a Power of Evil qui revient. Voilà, on met juste une Pink Ward. Et on tempo l'arrivée de Jankos. Et finalement, ce sera sécurisé pour les Origen. Ils peuvent souffler les Origen sur cette phase de jeu. Hein. Alors j'aimerais bien la revoir et qu'on voit en fait l'incohérence des déplacements H2K. Ils nous ont fait une. Regardez là, Ryu il est là pour flank, Forgiven lâche tackling. Et là il n'y a plus aucun dégât sur le baron Nashor. Forgiven s'y remet. Vendeur y va et là Forgiven et Ryu se disent ok go. Et là ils se disent mais non on continue. On prend le baril en plus. Là ils se disent on continue. Forgiven lui, ah il y a ce petit GP, c'est vrai que j'avais pas assez bien noté pendant le fight, mais Forgiven du coup se dit bon bah on va continuer. Et en fait il aurait dû totalement lâcher le Nashor. Ouais, ouais. Si à partir du moment où Forgiven va mettre des dégâts, il faut fight pour H2K. Ouais, là, problème de communication. Je crois que c'est le premier gros miss call que je vois des H2K dans cette saison. Ouais. Il y en a eu un autre pour moi sur défaite contre Fnatic. Sur le dernier fight. Ça reste rare. C'est rare. Mais là effectivement ils sont pas entendus Ryu. Quand Forgiven est sorti mettre des dégâts, il aurait dû y aller également. Et Jankos et Odoamni, ils ont trop hésité aussi. Arc Vendeur, ils flash atomisation. Ouais. Effectivement. C'est, on a joué à deux vitesses différentes là du côté des H2K. Oh, langage de Vendeur. Yasven et Soaz. Soaz qui se retourne. Oh, les burst à mild qui passera pas. Ryu qui arrive derrière. Le charme non plus pour Afivol. C'est compliqué hein, d'aller mettre un skill shot sur des joueurs qui vont aussi vite pour punir. Et ça. Ça a pris le baron à côté Origen, donc maintenant on va siéger. Voilà le poke sur le côté, il y a l'arrivée de Jankos, le burst qui va arriver. Oh, il est quand même en difficulté là pour Afivol, il doit reculer. Sven qui met de bons dégâts, Mitty qui tempo. On doit amener sur Sven, il faut le tuer là et ça passe du côté des H2K. Est-ce qu'on va pouvoir compléter le fight? Mitty qui tombe également, la duo lane des Origen qui est tombée. C'est quand même pas facile de tuer pour H2K. Amazing qui réplique là avec des spears. Allez, on va back côté Origen. Cette action est loupée. Et H2K qui arrive à positionner les engages. Et dans ce genre de conditions, c'est vrai que Origen a vraiment du mal. Et le problème, c'est que. Enfin, ouais, c'est pas mal ça pour PoE, mais ça suffira pas. Ryu qui arrive, qui rentre. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y arrive aussi facilement. Parce qu'il n'y a pas de TP Homeguard en fait. Juste, il vient sur le côté de mémoire. Et ça, c'est pas normal. Hein. Tu dois avoir une vue sur les sides. Tu dois toujours warder comme s'il y avait un Fiddle Stick en face. Non mais c'est quasiment ça, hein. Vraiment le jeu à très haut niveau. Tu vois Jankos. Regarde. Il arrive à ce moment-là. Qui surtout au dos amené, hein, qui sort. Il arrive loin. D'un flank, il sort d'un flank, il a utilisé son TP. Ouais. Mais il arrive pas, tu vois, sur une ward juste à côté en home guard à toute vitesse. Il arrive de très loin, ils sont censés le voir pour anticiper en fait. Et Origen, après c'est jamais simple d'éviter toute possibilité de flank. Hein. Non, toute possibilité, mais normalement tu peux le voir quand même. C'est vrai que de toute façon, on a des Origen qui ont quelques difficultés au niveau de la prise de vision. Ryu qui tente d'agresser là-dessus, le bon poke de la part des Origen. Et encore Odo Amné qui veut flank, cette fois-ci il est sur une marée de ward, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Là c'est comme ça qu'il faut défendre les phases de flanking. Après, le flanking, c'est la clé du succès. Hein. Ça fait deux saisons que League of Legends se joue au flanking. C'est moins présent quand même sur cette saison. Un peu moins, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que les picks aussi, la saison précédente, le justifiaient énormément. Enfin, Gnar et Eka, par exemple. Voilà, mais il y en a du monde, là. Ouais. Ce sont les Fnatic. Garde la game et les Splice aussi. Tout le monde est curieux. C'est le prochain match. C'est ça, ouais. Ce sera Fnatic contre Splice et après on aura Rocket contre Gamers 2. Et PoE.
toujours. PO qui fait une game assez difficile, il a pris un Mejai. Alors en termes d'effet, je sais pas ce que ça donne. Bah, pas grand chose à 1-2. Oh, allez, Origen contenté un trap. Après, bon, c'est la particularité de Mejai, ça peut rapidement devenir un item hyper valable. Mais ça peut aussi rester quelque chose. Attention, Vendeur, le combo sur Swaz. Oh, heureusement, Mitty est là. Vendeur prend beaucoup de dégâts quand même. Le poke de la part d'Origen, l'ulti de Swaz. Il engage la part de Doamné, mais il est coupé de ses bases. Doamné derrière les Chouquets, décide de réengage. Heureusement, Doamné est super tanky. Il peut pas rentrer Ryu. Derrière, c'est Yankos qui essaie de mettre un kick. Il est tanky. Yankos derrière, ça se retourne. Ça se retourne sur Yankos. L'arrivée de Ryu. Ryu qui n'y arrivera pas. C'est le shutdown pour Soaz et Amazing qui est derrière. Amazing, qu'est-ce qu'il fait? Il ward Amazing, il met une lance. Ça ne tuera pas Vendeur. Il était quand même beaucoup trop haut en HP. Et ça fait un kill. Il va falloir quand même songer à récupérer un peu de farm aussi sur les sidelines. Parce que regarde, ça push vachement côté rouge. Ryu en flanking. Peut tuer PoE? Non. Il peut pas. Il ne peut pas. 4-0-8 pour Ryu quand même. Mais tu sens la difficulté qu'il éprouve à mettre des dégâts. Il sait que si jamais. Enfin, sur un dash, il peut mourir en fait. Vu le poke adverse, s'il tombe au mauvais endroit, ça peut lui coûter la vie tout simplement. On voit. C'est quand même difficile d'engage face à autant de poke. C'est très compliqué, surtout autant de mobilité. Là, hop, t'as du poke et en plus t'as du disengage et t'as de la survie. Aux deux amenés qui arrivent un petit peu à contre-temps de son équipe. Bah ouais, son équipe est a complètement reculé. Face à l'ulti du Gangplank, et là ils y vont de nouveau, mais encore une fois, la coordination n'est pas forcément là côté H2K. Et là, on a la Nidalee d'Amazing qui essaie d'aller chercher le flanking plus loin, mais ce sera sans succès. Et c'est une game qui est partie pour durer, ça chips. J'ai l'impression que les H2K commencent à prendre l'habitude de faire des games longues, parce qu'ils sont difficiles à battre. Et Yankos qui est parti full tank. Des Lee Sin full tank, ça fait longtemps que j'en ai pas vu comme ça. Full tank. Ouais, il a quand même l'item Warrior. Ouais, ça c'est vraiment l'early parce que de toute façon sinon c'était inutile. Mais très tôt il est parti sur de la tankiness, il a fait la Run Solari. Derrière il fait le rendu 1. Et là il fait de la résistance ouais, magique. Contre le GP notamment. Bon, même si Corki a deux items de. Il y a deux rendus 1 en face. Hein. On veut aussi. On a peur de Soaz quand même côté Shuke, je pense. Et effectivement le slow de zone est loin d'être négligeable. Allez, Omiti, il lock ou pas la Ryu? Il lock sur Mitty, Mitty la peau dure. La peau dure au dernier moment, mais il arrive de Doamné. Il reste combien de points de vie? Coiffé Volti est mort. 50 ouais. Je sais même pas. Ceci fight, il est vraiment dangereux parce que je viens de se faire attraper. Il n'y a personne pour le sortir du pétrin. C'est un double kill pour Forgiven. Les H2K qui tiennent. C'est bizarre, j'arrive pas à voir la puissance de Soaz dans ces fights. Sachant que Soaz, il est pas là. Les H2K, ils arrivent toujours un peu en engage avant que Origen puisse... se mettre du poke. Ouf, ça peut faire mal un peu sur Vendeur là, mais ce n'est pas suffisant pour empêcher complètement les Chouquets d'avancer. Ouais, c'est inhibiteur. Hein. C'est inhibiteur pour les. Pour les H2K et Amazing qui se balade. Mais Amazing, il va mourir. Il est vu partout là. Ouais, ils ont de la vision pour le coup, les H2K. Mais en même temps, c'est difficile de chase une Nida, ça peut être risqué. Ouais, c'est bon. S'ils vont faire le baron immédiatement. Il y a Ryu en opposition pour essayer de zoner. Il y a Soaz. Hop, Soaz, cette phase, il va essayer d'anticiper. Pourquoi il a fait Meja et PoE? C'est quand même 1000 gold dans le vent. Ouais, la Malmortus hein, qui fait pas les mêmes dégâts qu'une Descent River. Et c'est le baron pour les Shtuki qui ne sera pas contesté. C'est dommage. Ouais, le Meja qui sert pas à grand chose là en termes de gold investi. On va revoir. Le problème, c'est que Origen, ils se font toujours engage de la mauvaise façon. Ouais. L'Amity, il doit toujours sauver quelqu'un dès le début du fight. Regarde, PoE, il, PO, il a rien pu faire. Vendeur et Forgiven ont tellement bien joué le coup. Après, c'est à lui de. Enfin, il y a les sbires qui lui indiquent la position du Alistar. C'est à lui de ne pas rentrer. Il fait une très très grosse erreur. Je suis pas sûr qu'il soit obligé aussi de flank comme ça. Mais en fait, il peut doit flank. Juste reculer Origen. Mais là, il fallait qu'il flanque côté Origen, pas côté ADC. En plus, en termes de portée, Forgiven, c'est pas le champion qui fait le plus mal tant qu'il est pas proche de ta backlane. Donc, t'as pas besoin de le tuer tant qu'il est. Si loin qu'il met pas de dégâts. Donc t'attends au moins qu'il y ait un cooldown de Vendeur. Là il se sent pas littéralement sur un ADC. Et ça coûte cher au Origen. Hein. Derrière Soaz peut pas mettre ses dégâts parce que bah, forcément on concentre toute l'attention sur lui. Et là les H2K ils sont en proie à gagner cette game. Ah, ils sont bien partis en tout cas avec ce baron à short, ça va permettre d'énormément push. Après ils doivent faire face forcément à l'avalanche de skill shot de ces Origen. Mais bon, avec cet imiteur récupéré au mid, quand même, ils sont plutôt bien placés dans cette game.
On insiste, on insiste. Côté H2K. Ils ont raison, hein, par contre, ils ont des tanks. Ils ont des tanks. Et le problème pour les Origen, là, c'est qu'ils n'ont pas le temps de positionner leur POG face à ce Baron Nashor. Donc ils se font enfoncer. Et les spires de Amazing qui ne touchent pas tant que ça. Hein. Aussi. Soit pareil, les tonneaux qui font des trous. Ouais. On n'en voit pas suffisamment, je dirais. Bah, le truc, c'est qu'il est parti sur une Malmortus. Et ça fait toute la diff en fait. Hein. Ces tonneaux, ils n'ont pas du tout le même impact. Il y a beaucoup d'armure en face en plus. Non, mais en même temps, sur un Malmortus, t'as de la mort peine. Donc je pense pas que ce soit le pire choix. Sincèrement, je pense pas que ce soit le pire choix. Ouais. Mais là, voilà. je dirais que mécaniquement, la Soaz, il arrive. Moi, je retrouve pas le Soaz qui avait ce feeling sur Gangplank et qui en avait fait un joueur hyper redouté sur le champion. Ouais. Je retrouve pas les mêmes choses. Je trouve pas non plus que Sven arrive à peser avec son Corti. Il est à 0-3. Pourtant, il est pas trop mal positionné, hein, mais derrière, on sent que il est limité sur les dégâts parce qu'il y a beaucoup de tankiness en face, il y a beaucoup de HP, il y a un abyssal, il y a un visage spirituel. Le Nautilus, c'est pas la peine d'en parler. Donc en fait, à part Forgiven, Corti il poke un peu dans le vent là. Corti il poke un petit peu dans le vent en termes de dégâts. Pour Fivol, pour moi, il passe complètement à côté pour l'instant de ses fights. Il n'arrive pas du tout à être décisif. Origen, ils ont une draft qui sur le papier peut fonctionner contre celle des H2K, mais c'est sûr que. Elle n'est pas bien jouée là. Sur les positionnements et autres, et sur les skill shots, c'est pas parfait actuellement. Et ça leur coûte dans cette game, puisque H2K a pris la direction des opérations avec deux imiteurs. Et on va enchaîner. Origen qui tente un trap. Ouais, c'est rewardé, pas de soucis. Et là, faut wave clear, power fivol. Il met pas le bisou. Derrière Ryu qui va rentrer, on va mettre un petit poke. C'est Vendeur qui encaissera un tonneau. Voilà, c'est sans conséquence. Et là, on est sur la phase défensive. Il n'y a pas un wave clear monstrueux contre des méga sbires du côté des Origen. Ils se retrouvent complètement assiégés. Ils peuvent presque aller prendre. Si là, ça passe pas, ils peuvent prendre un troisième dragon, les H2K. On va attendre de toute façon le premier move hein, des Origen. Ils n'ont pas d'engage, ils n'ont pas de pur engage à part le bisou de Power of Evil. Et ça touche pas. Ça ne touche pas encore une fois. Et on commence, les taux se referment sur les origines. Ça va peut-être être le dernier team fight. Soit se clear bien là pour son équipe. Ça touche pas les H2K. Par contre, il y a un moment où effectivement H2K attend son heure. Celle où les super sbires rentrent dans la base des origines. Et là, ça va commencer à être de plus en plus dur. Ah, le GP Soaz qui fait le déplacement pour wave clear. Ça va craquer. Hein. Ah, là, je vois pas en fait comment ils vont défendre. Là, sur cette phase de jeu là. Ah là, ils vont se regrouper. Je crois que la tour est full life quand même. Allez, l'ulti GP. Oh, ça passe pour Origen. Ça tient le coup. Ça tient le coup. L'ulti GP obligatoire dans la situation. Ah, il y a l'inhibiteur qui arrive. Qui doit être un peu frustré quand même de ne pas avoir récupéré cette T3. Ils vont se positionner au niveau de l'inhibiteur. Attention à une engage, je dois amener. Ah, hop, ça burst. Ça y est, on commence à avoir un peu de dégâts. C'est Sunset River qui est commencé par Soaz. Et on prend l'inhibiteur côté H2K, on y va doucement mais on y va sûrement. C'est reparti pour quelques minutes de souffrance pour Origen. Alors Origen, il faut attendre un faux move et un engage de Power of Evil. Le problème c'est que pendant ce temps les H2K ils arrivent tranquillement sur leur 75k gold, c'est-à-dire le full stuff pour tout le monde, et à partir de là, eh bien les Origen vont avoir un sacré retard. Et pour l'instant, eh bien. Ils n'ont pas la solution, les joueurs en blue side, et là ça y est l'engage, mais c'est sur Yankos, il est tanky Yankos, il recule, soit qui... Heureusement Mithy est là pour sauver, derrière l'engage sur net, par contre il n'y a plus de dévoration du côté de Mithy, la Sven qui prend de gros dégâts, la protection à Yankos et le kill pour Ryu finalement, il n'y avait plus de dévoration, il n'y a qu'un sauvetage dans l'équipe d'Origen, et H2K qui force le fight là-dessus et qui détruit les Origen. Sous cette T3, c'est la game, Zab. Ouais. Encore une erreur de positionnement. Soaz, pourquoi il s'est avancé comme ça? Et alors regarde Soaz sur la fin. Et après Sven qui fait catch. Regarde. Je sais pas si tu pourras nous la remettre, Georges, la dernière action. C'est vraiment genre ce fight. Mais Soaz, il sert à rien du tout. Mais à rien du tout. Mais c'est normal, il avance, il se fait... Non, mais après, quand il recule, il a pas le temps de préparer. Du coup, il prépare pas. En fait, il a aucun baril de préparer derrière, quoi que ce soit. Donc,
peut rien faire. Et en plus, vu qu'il a pas énormément de réduit CD, vu qu'il a pas fait des Sun's River et qu'il a fait une Malmortus. H2K. Ouais, ça passe bien H2K, hein. Ça passe bien. Ah, ils ont fait ce qu'il fallait. Ouais, regarde. Alors, regarde, t'as ce fight. Donc, ouais, mais là, pourquoi tu t'avances comme ça ? Soit il s'avance. Donc, à partir du moment où Mythil recrache, regarde, on suit juste Soaz. Il le recrache en avant, Mythil aurait pu recracher en arrière, je pense. Soaz, il met son baril. Il met son baril, ouais, mais il peut. Il recule. Bah, le truc, c'est qu'il n'a pas le temps de faire plus, je pense. Mais l'erreur à la base, elle est sur son avancée. Ouais, il recule. Et après, Sven qui se fait pick-up, bon, pareil. Il recule, terminé. Voilà. Soaz, il a couru. Bah oui, mais de toute façon, une fois que la draft est chouquée en gay, je pense que. Ils avaient pas trop le choix là-dessus, les origines, mais l'erreur, elle est à la base. Ouais. L'erreur, elle est à la base sur son positionnement. Et Sven aussi qui s'avance et qui s'offre au grab du Nautilus. H2K qui se positionne en tête à la fin de cette semaine numéro 6 à égalité avec les Vitality. Ouais, les Vitality. Donc du coup, on va savoir s'il y aura Gamers 2 invités à la fête qui joueront contre les Rocket, mais ce sera après la game suivante. Peut-être qu'on a une petite interview après. Ouais. Pas sûr. Pas sûr. En tout cas, bon, Origen, il y a des moments où on a senti qu'ils pouvaient dans cette game, mais le POC, leur POC n'aura pas été suffisamment bien mis en place. Et Shtuke a su jouer, et Shtuke a su flank dans les moments, je pense, où c'était vraiment le plus important. Et malgré le fait qu'ils ne fassent pas une game parfaite, pour moi, Shtuke, l'essentiel est assuré, sincèrement, au niveau des prises d'objectifs. C'est la game peut-être la plus. C'est une de leurs wins les moins édifiantes, je pense, à H2K. Contre Elements aussi, c'était compliqué. Ouais, mais bon, voilà, et ça passe. Et contre Fnatic aussi. En fait, toutes ces drafts où ils doivent prendre beaucoup d'initiatives et forcer, ouais. Tu sens que c'est un peu moins leur style. Ils préfèrent jouer avec du POC et justement avoir le temps, en fait. Ah, mais la méta, elle va évoluer. Et c'est là où je te dis, je trouve que les équipes comme Vitality ont plus, tu vois, plus de, comment dire, de cordes à leur arc. Et on a une petite interview. Let's talk about the game. How did you guys end up winning the game? What was the turning point when you closed it out? Well, we were ahead pretty much the whole game. We had some good fights in the early game. Our lane swap was okay. Our level one was really bad though, so we threw in the mid game a bit, but as the game went, we realized why we made the mistakes and what we need to change. And we just pretty much started playing our comp the way it was supposed to be played. So it just ended up working well for us. Can you give us a little bit more insight on what happened at the Baron throw? Because it was a turning point where fans in the audience and viewers are thinking, well, this is where Origin have a chance to pull it back. Well, we started Baron and we were like, okay, just start Baron and we turn. And then instead of just waiting for them to pretty much start face checking the Baron pit and then we turn, we just tried to turn max range and then Forgiven got poked super hard and then it was just really bad. The idea was fine for us to turn. I think we would have won there the game if we played it properly, but it's just we executed it really, really poorly. It's great to hear an honest response in terms of, you know, judging what went wrong. Ryu had a fantastic game on LeBlanc. Yesterday's Lissandra was good. What's it like having Ryu back on the squad now? And, you know, adjusting to obviously Selfie out, Ryu in. I mean, having Ryu back is great. It's just we all feel more confident playing with him because it's our main roster. When I played the Selfie, it was a bit awkward just because we just got hit by a shock because we have to play with a different person and his play style is completely different. He doesn't bring much as much as Ryu to the team. So now we're just trying to get the hang of it again because he's been with us only for 1 week and now we're just trying to start playing the same as we did before because right now we kind of play different on stage than we do in practice. Well, it makes perfect sense. Got to readjust to somebody who's not been practicing with you. Anyways, congratulations on the win. It was a confident close-up. For now, we're going to head back to Shox at the analyst desk. Voilà, donc victoire des H2K contre les Origin. H2K qui continue leur course en tête. Ce n'est pas l'équipe qui laisse la plus belle impression de jeu, mais c'est l'équipe qui paraît la plus dure à battre. On a vu même les Vitality hier qui ont eu besoin de 62 minutes. C'est vraiment la meilleure défense, je pense, européenne. Je pense qu'à moi vraiment d'avoir un gros gold lead, c'est compliqué. Et du coup, eh bien, on va transitionner vers la prochaine game. Ce seront donc les Fnatic qui joueront contre les Splice. Les Splice qui ont des difficultés. Ils ont perdu contre les Rocket hier. Ils doivent essayer de se ressaisir. Les Fnatic qui, eux aussi, toujours à la recherche de leur identité avec forcément des problèmes de communication. Ils gagnent hier. D'habitude, les semaines Fnatic, c'est une victoire, une défaite. Ouais.
Je les vois quand même l'emporter contre les Splice. Hier, ils sont revenus d'entre les morts face aux Gamers 2. Tout ça, ce sera après une page de publicité sur O Gaming. A tout de suite.